Information, éducation et divertissement. Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Très chers téléspectateurs, bonjour. C'est toujours un ami ou frère, Jérôme G. Benz, Boss Benz, qui rentre à la caillou. Je dis à vous présenter une émission ça. Je dis à nous parler une émission tout à fait spéciale. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Are you proud to be black? Ou qu'à garder sous de vous, je vais regarder Figuib, non? Ou est moi-même fier de ce que moi sont un beau black? Je dis à nous émission ça. Nous parlons le gain avec nos pasteurs juniors, comme on toujours connaît. Et nous parlons le gain Wilson Sano. Des boutons de non ça, ou qui t'en connaît. Et nous parlons parler d'anémie, maladie ça, falciforme. Et nous avons gain Cinéma H. Et je dis à mes amis dans l'émission, nous avons un invité spécial, un monde dans la communauté haïtienne nan, qui fait non déjà, des boutons de du docteur Fizeme, ou sinon du pasteur Fizeme. En tout cas, nous pourrons aller, nous pourrons suivre avec lui. Qui ça le porte pour nous? C'est sûr que, comme dit ça, dans la communauté haïtienne, nous déjà ouais que c'est pasteur Fizeme qui t'est sorti un livre sur vaudou, qui t'est dit que haïtien a gagné vaudou, en dépôt c'est black ou yéli dans sang. Je dis, on pourra le découvrir pour qui ça le dit ça. Et on va le suivre. Et nous avons un artiste, Georgie Innocent, qui est conseillé, qui a venu. Et on prend nous, nous toujours dit ça dans l'émission Boss Ben Show, ou même qui est dans la communauté, à soit venu, c'est pas nous, c'est ou même qui pas venu parce que des fois vivre dans la communauté, ça, émission ça, c'est pour lier. Et nous avons avec nous tout, y a une belle rubrique dans l'émission ça qui est les Minutes de gloire du Boss Ben Show. Ou même qui est la caillou, qui est en proposition pour suivre l'émission ça, qui est branché, Naptonet. Pas oublier chaque troisième samedi dans mois qui vient mes amis côté rendez-vous en cassé l'irélé restaurant Caribec, c'est le rendez-vous de Boss Ben Show. Et n'a salué chez la sous track ça chez là qui dit que il gagne pas 10 amis filles qui gagne entre 28 et 35 ans toutes célibataires. Maga comprendre bail ça mes amis, vous n'a vivre dans un pays toutes mesdames célibataires et ou même qui célibataire, pas oublier faut venir dans le rendez-vous de Boss Ben Show. Chez la Grégoire qui t'a dit lui-même au moins le 40 10 on ne sait jamais, peut-être qu'on a vu dans rendez-vous de Boss Ben Show pour rencontrer les gens que bon j'étais serré pour voir. Et comme du tout m'ai pas parler avec les concernant bagay ça, il y a un pile nèg qui dit yo c'est yo célibataire, on vient dans le rendez-vous de Boss Ben Show faut m'dagon appareil avec un rayon X avec une capsé bagay dans poche yo pour yo venir dans rendez-vous de Boss Ben Show. Pas oublier ou même qui a venu dans rendez-vous de Boss Ben Show faut reler coordonnateur émission Wally pour acheter cartou. OK, carte déjà disponible. Pas oublier, nous parlons de plusieurs sections. Grande section, nous parlons de faire, c'est par département. Imaginez, nous sommes la Tibonite, il y a une table pour la Tibonite, table Jacques Mel, on prend table Okaï, Junior Jandil, sur Jacques Mel. Maintenant, nous prenons Port-au-Prince, maintenant, ils sont sortis bien loin, on prend Bois Cochon, mais tout sort de Port-au-Prince. Ça veut dire, relais, soit, si nous, ou bien 4 personnes qui viennent, nous sommes relais, prenons 4, pas acheter 4 la journée, du mois, achetons l'autre, tout prend 4 pour là, pour le rendez-vous de Boss Ben Show. Pas oublier, on peut assister live, on prend enregistrement show, on comprend jour même là, on peut chita ou après Boss Ben là l'autre monde là, on peut manger, on peut faire des photos et puis on peut grand pile monde. Pas oublier nous même n'a chercher la crème de la crème dans communauté. Nous prenons vite au Kounia aller suivre avec Pasteur Junior comme on connaît toujours là dans l'émission, il va impacter avec nous. Restez branché, n'a pas donné. Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans le cadre du Boss Ben Show, plus particulièrement dans votre rubrique Impact. Nous allons avoir le privilège de parler de quelque chose de vraiment intéressant, c'est la déperdition des jeunes au niveau des églises haïtiennes. Nous voulons essayer de comprendre la raison d'être de cette déperdition et en même temps proposer des éléments de solution. Donc pendant tout le
mois de février. Nous allons essayer de voir quelles sont les raisons qui motivent ce départ, cet exode massif de ce groupe de jeunes. Et nous avons en ce sens le privilège d'accueillir notre pasteur et ami. Il s'agit de pasteur Caleb Barthélus. Pasteur Caleb, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, très honorable homme de Dieu. Je vous salue, pasteur Junior, et je salue tous les téléspectateurs et auditeurs du Buzz Ben Show. C'est un plaisir d'être là. Salut, pasteur. Donc, comment vous voyez, quel diagnostic vous faites par rapport à cette réalité, ce phénomène qui se développe de plus en plus dans les églises, cette déperdition qui s'accélère à un rythme vraiment vertigineux? Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, nous aimerions célébrer ces hommes de Dieu qui ont tout donné, qui ont fait tout ce qu'ils avaient pu et qui font encore tout ce qui est en leurs moyens. Par contre, ce que je pourrais dire qui est le cœur du problème, c'est que nous avons un modèle aujourd'hui qui est inadaptable. Nous, malheureusement, nous avons essayé de reproduire la Renaissance d'Haïti au Québec. Nous avons essayé de reproduire la Renaissance d'Haïti au Québec et nous avons perduré un modèle qui est devenu obsolète. Alors que les jeunes aujourd'hui n'ont pas peur de se retrouver avec différentes nations dans une approche différente, dans une ville cosmopolite. Donc, si je comprends bien, c'est une crise de laïcité qu'on vit dans un contexte de diaspora. Donc, nous voulons reproduire ce qui se passait en Haïti exactement et arriver devant la deuxième génération, par rapport, je parle à l'immigration, ça ne tient pas la route. Est-ce que ça se traduit par une crise de discours? Est-ce que c'est le discours qui n'est pas adapté, ce qu'on dit? Ou bien est-ce que ce sont les pratiques ou bien les deux? Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que malheureusement, nous avons plusieurs assemblées et pas toutes. À toute règle, il y a exception. C'est que plusieurs assemblées ont perdu, je pourrais dire, le côté, un ministère pertinent pour aujourd'hui. Exemple, je parlais à un ami homme de Dieu et il me disait je vais devoir déménager le ministère. Déménager le ministère pourquoi? Parce que dans le secteur où je suis, les Haïtiens ne viennent pas. Dans quel secteur es-tu? Je suis dans le secteur Saint-Henri. J'ai dit, mais gloire à Dieu, invite les habitants du quartier. Dieu n'a pas fait erreur lorsqu'il t'a placé là. Ajuste ton approche dans une société où ce que tous doivent recevoir le Seigneur. Le mot d'ordre était aller par tout le monde, faites des disciples, aller vers les nations. Le problème est que nous essayons de recruter l'haïtien, nous essayons de recruter celui qui chante comme nous, qui parle comme nous, qui chante le chant d'espérance. Non, mais la réalité, c'est que la Pentecôte est un bouillon des nations. Au dernier jour, lorsque nous serons ensemble au royaume des cieux, ce sera un bouillon des nations. Alors, si je comprends bien, notre problème se pose même par rapport à la missiologie, rapport à l'évangélisation même. On ne peut pas aller vers les autres nations, or la Bible nous demande d'aller. Oui. Donc nous restons chez nous parce qu'il y a une ouverture qu'on n'est pas en mesure de faire. Comme jeune pasteur, comment ça t'interpelle, cette démarche qui devrait être faite à l'égard des autres? Ça m'interpelle énormément car j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent puissent saisir la profondeur de ce que je veux dire et comprendre mon cœur. Je crois que l'Évangile au Québec a fait des pas de géant à cause de l'Église haïtienne. L'Éternel a utilisé l'Église haïtienne pour faire des pas de géant depuis les années 70. Malheureusement, le fait que nous n'ayons pas su nous ajuster, le fait que nous n'ayons pas su valoriser les cris du cœur de la jeunesse, nous avons gonflé les rangs de ministères multiethniques qui sont prominents aujourd'hui, mais l'assemblée est multiethnique, le leadership ne l'est pas. En sorte que le jeune homme haïtien peut seulement entrer dans l'équipe de louange, peut seulement être chante, mais s'il a un don de prédication, on ne va pas le laisser passer. On ne va pas le valoriser. Je suis d'accord en même temps avec l'étiquette l'église haïtienne. Hein? Oui, je suis d'accord avec cette étiquette. Et ce qui arrive maintenant le dimanche matin, c'est une ségrégation ecclésiale. Oh. C'est une ségrégation ecclésiale. Bon. Mesdames et messieurs, nous étions heureux de pouvoir débattre de la question de la déperdition. Et il y a une nouvelle donne qui s'ajoute, c'est la question de l'exode vers les églises multiethniques qui s'impose comme une nouvelle donne. Ce sera entre autres le sujet qui sera débattu la semaine prochaine dans le cadre de votre rubrique Impact. Merci pasteur et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pasteur. Ok. Chers téléspectateurs, comment nous y est? Comme t'es annoncé dans le commencement de l'émission, hein? Il y a un peu de monde qui connaît ça, avec moi. Je dis, bon, c'est sûr que je vais quitter le président de tête, parce que vous-même qui est États-Unis, vous ne devez pas connaître qui est-ce qu'il a, vous-même qui est Haïti, vous ne devez pas connaître ça. Mais, dans le résumé, je vais dire, monsieur, ça a un doctorat, il a deux maîtrises. Oh,
pasteur, docteur, je ne sais pas comment lui. Très bien, Boss Bencho, c'est un plaisir pour moi pour m'avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut présenter tout rapidement pour nous regarder? Bon, rapidement, moi-même, je suis haïtien. Je me fais dans la ville au Cap, en Haïti, donc dans le nord d'Haïti. Tout de suite après études classiques, moi, donc après philo, parents de femmes vines au Québec. Okay. Donc, ici depuis 26 ans. Je me fais qu'entrer ici, je étudie à la fois en communication et en théologie parce que je suis folie pour me donner un boss ben avant le temps. Mais tout le monde va avoir le même talent. Donc, je fais des études en communication à l'Université du Québec à Montréal. Okay. Et parallèlement à cela, je étudie en théologie, donc à l'Université Acadia, côté que je fais un baccalauréat en théologie. Ensuite, je fais en maîtrise à l'Université McGill en histoire médiévale, côté que je considéré rapport qui gagnait entre ça que les réformes protestantes, donc le père même de la réforme Martin Luther, et la contre-réforme catholique, le père même de cette contre-réforme, afin qu'il y aurait les Erasme de Rotterdam. À la suite de ça, mal fait doctorat moins. Initialement, je compté faire lire en philosophie de la religion, je considéré Heidegger. Et puis, pendant que je commençais l'étude à McGill, je me fais un voyage en Haïti et puis je suis allé avec un Anglais. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, pour qui ça, c'est sous un Allemand, je choisis de faire thèse de doctorat, pour qui ça me fait un bagage sur Haïti. Et puis, ça a été tant qu'on fouette orgueil, moi. Le m'a pour retourner, sauter Haïti, je passe par Miami vers Montréal, l'homme arrivé à Miami, m'achète un paquet de livres sous affaire vaudou. Et puis, pendant que je m'appelais Livio, de Montréal, enfin de Miami jusqu'à Montréal, je me dis, bon, je choisis faire thèse de doctorat sous vaudou. Donc, c'est ainsi donc, que je fais doctorat moins sous vaudou. Je me terminais en 2003, donc ça fait déjà quelques années. Je suis à l'âge moins. Et après, après ça, je me fais un lot. Maîtrise, cette fois-ci en management international, donc m'étudie en gestion avec une spécialisation dans affaires management, marketing, etc. Je passe en pile temps à enseigner, je suis consultant aussi en gestion d'entreprise et je suis auteur. Bon, c'est surtout à ce titre que Mounio connaît moins. Écrit un certain nombre d'ouvrages, 3 ouvrages en Amérique du Nord sur question vaudou, 2 en Europe sur même question vaudoua, et on l'autre roman qui va paraître le mois prochain, mais qui vise un public beaucoup plus jeune, sur question identité, qui est-ce nouillé vraiment. Donc, rapidement dit. OK, mais de livre ça où tu es sorti, c'est sûr qu'il défend un peu le bruit. Est-ce qu'on résume rapidement qui ça vient dans le livre ça pour les gens qui passent c'est intéressant, c'est que moi-même avec vous qui grandit en Haïti, qui fait en Haïti, on grandit nous dans une ambiance qui fait nous croire que bon, c'est une bagaille qui est opposée. Par exemple, il est opposé créole avec français. Mm-hmm. Si on parle créole, c'est parce qu'on n'est pas fort. Mm-hmm. Mais on songe, nous grandissons dans le complexe. Oui, c'est vrai. Il est opposé, par exemple, protestantisme avec catholicisme. C'est-à-dire, si vous êtes protestant, c'est vous sauver catholique là, mm-hmm. pas chrétien. Si bien que le protestant pourra le refuser aux catholiques, même le titre de chrétien. Et pire, ils ont opposé vaudou avec christianisme. Mm-hmm. Donc, vaudou, c'est superstition, c'est mm-hmm. sorcellerie, c'est magie noire. Et puis, christianisme, c'est civilisation, c'est lumière, etc. L'homme a constaté histoire peuple haïtien, malgré ça qui est écrit dans le livre, malgré sa paix, malgré sa pasteur, faut quoi, dans la vraie vie, haïtien pas opposé christianisme avec vaudou, li associé yo. Dans un bagage qui aurait le syncrétisme, donc à expliquer le plus tard. Et puis il me dit, bon, d'où vient par exemple que yo opposé vaudou avec christianisme? Parce qu'en réalité, les spiritualités ne s'opposent pas. Ou pas qu'à opposer islam avec christianisme. Puisque religion, c'est un vecteur culturel, les cultures ne s'opposent pas. Les cultures se côtoient. Les cultures se superposent. Quand il y a des pratiques dans une culture qu'on dit qui pas compatible avec telle autre pratique dans l'autre culture, mais toutes les cultures se parlent, toutes les cultures se superposent. Donc, d'un point de vue de l'anthropologie culturelle, c'est un faux problème que de dire que vaudou a christianisme opposé. Mais du point de vue de la sociologie haïtienne même,
100% d'Haïtiens, y compris moi-même avant, nous gagnons vaudou dans nous. M'a dit nous vaudouisons, non? M'a vaudouisons. M'a vaudouisons. Vaudou dans nous, ça veut dire quoi? Il y a un certain nombre de croyances. M'a bon bel exemple, Bosman. M'a même deux fois protestant. Mm. Un bel petit garçon, t'as un beau visage. Et tu es fait pour ça, et me sincère. Merci. Hein? Supposez pas d'en absorber dans le studio à la Bosman, où est que gagne deux, trois bouteilles. Là, avec deux, trois singobes rouges, deux, trois poupées, etc. Ça que y'aurait les wanga. Bon, garanti ou pas, jambel, ou pas à côté. Et blanc, les mêmes là. La jambel, parce qu'il n'y a pas pour lien. C'est une compte bague. Oui, deuxième bagaille. Sous fond rêve. Excusez-moi, mais il y a un petit monde qui fait ici. Il y a un petit monde, oui. Il n'y a pas pour qui veut. Non, il y a à prendre ni tout. Parce que, conseil de bagaille qui a qui. Okay. Par exemple, petit monde moyo. Ma dernière fille, par exemple, il n'y a pas ou chat noir. Il fait ici. Okay. Mais d'où ça vient que le pavé de Chaton? Eh bien, ça vient de propre maman nous, papa nous, nous-mêmes, etc., qui transmettent à Timon. Parce que qui sa culture y est? Je suis obligé de vivre et élever en Haïti pour m'acquérir la culture haïtienne. Moi-même, avec vous, nous quittons Haïti, mais Haïti n'a jamais quitté nous. Ouais, donc, Timon, nous avons fait ici, nous mangeons du rac pois, nous mangeons gris avec banane, nous mangeons banane pesée, nous remets compas, nous dansons compas, même si nous n'avons pas aussi fort dans le créole que nous, nous tendons des créoles. Donc, tu vois, gagner vaudou. Parce que fondamentalement, vaudou, c'est une façon d'habiter le monde. Il y a un certain nombre de bagailles qui caractérisent vaudou. Premier bagaille qui caractérise vaudou, c'est que pas gagner vraiment une distinction étanche entre la surnature et la nature. Et c'est très intéressant de noter que même lorsque nous vînons protestants, nous vînons convertis, on ne peut pas réaliser un bagaille. Sous la machine, ou par exemple, vous manquez un accident, vous dites, oh, merci bon Dieu. Oui, c'est vrai. C'est que vous attribuez à bon Dieu une cause qui est naturelle. De même, supposons vous échouez. Ou elle passe son examen, l'école, ou pas passer. Au même moment, madame ou bien ma ou quitte ou t'enceinte, ou perdu timoun, ou perdu job, ou automatiquement, ou mande tête ou quête, qui ça me fait, bon Dieu? Ou même qui, chrétien protestant, ou après le ça, mes amis, ou quoi c'est pas un problème, bon Dieu, ou bien Jésus gars avec moi, vous douisez après le penser que son problème que le gars avec loi. Donc, cette superposition entre la surnature et la nature, les lacailles tout haïtien. Que ce soit moi-même qui docteur, etc., donc qui éduqué ou bien monde qui pas gagne éducation, nous réagit à peu près même gens devant les crises de l'existence. Côté ça sorti, les sorties non font vaudouesque qui remontait à très loin en Afrique, n'est-ce pas? Depuis, ma foi, au moins 16e siècle, puisque c'est depuis 1503 que on commençait traîner nous, mener nous en Amérique du Nord. Mais avant même que nous t'es, enfin en Amérique, pardon, avant même que nous t'arrivions en Amérique, nous t'égons ensemble de croyances qui va jamais quitter nous. Une question, il faut en apprendre plus, c'est pour nous débattre ça, mais rapidement, parce qu'il faut finir. Et pour ma part, dis mon tout, dans tout mois de février, là, on parle pour une chance pour joindre docteur. Pasteur, bon, ou quand des gens veulent, fils aimé avec nous, la poucole, il va le débattre, bah, parce que là, moi, ma PC, il comprend, m'a dit Jean Mélanger. Bon, et si, ça veut dire qu'on pasteur là, Montréal là, ça veut dire qu'il y a vaudou à Nansan, si vous comprenez bien. Même si, en bas l'esprit de Dieu, il y a une onction vaudou là. Bravo, mais il ne faut pas opposer ça non plus. Saint-Esprit, bon Dieu, avec vaudou. En réalité, vaudou, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un trait de ton identité. Au même titre là, quelque bien nous qu'a parlé français, chaque ton fait rêve c'est créole ou pas parler. Par exemple, comme bra le bon exemple. Oui. On petite dame qui fait ici les mêmes. Et bon, français c'est mal parlé. Oui, bien sûr. Elle n'a pas couché. Lire la mou, regardons-nous, l'air. Elle n'a pas parlé créole. C'est ça. Et exemple, si on prend, l'y traduit ça que yo découvrir, n'est-ce pas, surtout en psychanalyse, c'est que yo découvrir que yon être humain gagne plusieurs niveaux d'être. On nous prend un exemple. Mon niveau que relé un niveau formel. Moi même avec ou là, le m'a gardé Bosman, moi le niveau formel, bel costume li sous li, le m'a gardé pas une distinction vraiment entre un occidental avec ou parce que ou habillé même gens, ça c'est le niveau formel. OK. Gon deuxième niveau d'être que relé le niveau philosophique. Ça veut dire niveau philosophique là c'est valeur ou le Bosman fâché, le Bosman en colère, comment le réagir? On va pas réaliser que ah ça sont l'autre niveau qui intervient. Ça, c'est dans qui sort quoi. Par exemple, est-ce que Bosman prête à faire n'importe quoi pour le gain cob? Persuadé que non. Est-ce que Bosman prête à associer avec n'importe qui monde pour chaud à capable coûter? Donc, tu vois, ça, c'est le niveau philosophique, au niveau de tes valeurs. Bon.
Gon troisième niveau d'être, lui-même n'est pas jamais changé. C'est ça que relé, n'est-ce pas l'être profond, bien l'être mythique de la personne. L'homme non crise, par exemple, c'est pas niveau formel, là c'est pas costume, ça encore qui est important. L'homme non crise de vie, c'est pas valeur que m'apprendre à faire l'école qui est important, à savoir il faut pas voler, il faut pas faire du mal. Troisième niveau ça, c'est tout ça yo te transmettre moi de génération en génération comme croyance, des bagages irrationnels oui, mais l'homme en crise, n'est-ce pas? Raisonnement me tombé. Qu'on y a, c'est plus réflexe, moi. C'est plus instinct qui paraît. Ma prends un bel exemple avec vous. J'avais un professeur de latin, quand j'étais en Haïti, mais brillant professeur, type qui graduait de Sorbonne, etc. Donc, un type, on t'avait dit, qui n'a pas encore rien à voir avec ça que l'on t'avait appelé des croyances vaudouesques, etc. Bien habillé, Chelbert. Mon cher monsieur était un haut fonctionnaire du gouvernement de Jean-Claude Duvalier et puis en un rien de temps, écoutez bien, madame monsieur avec Timoni t'a vécu New York, il est rentré Vinwelli et puis le a pour retourner sorti au cap à Port-au-Prince, il était loué en machine, le arrivé dans Pulboro, machine dans chaviré, madame avec trois Timon mouri. Écoutez bien. Presque au même moment, monsieur recevoir lettre révocation li du Palais National. OK? Deuxièmement, donc ça veut dire que monsieur perdu madame là avec petite li révoqué et monsieur en plus t'a pratiqué le droit au tribunal de du cap haïtien puis pour une raison quelconque mon cher, il a commencé you know dénigrer monsieur pour toutes sortes de raisons. Ou connaît ça monsieur gagné, ou connaît ça monsieur répondre réflexivement il dit qu'est mon cher, m'a connaît ça me fait loyau ou loi racine qui fait tout lever dans tête moi comme ça. S'il non protestant t'a dit mes amis, il t'a pas le jeûner pour le connaît qui péché le fait, qui fait que bon Dieu fâché comme ça. Donc qui sont réalisés c'est que gagnon niveau d'être, gon niveau de crise ou traversé, ce n'est plus le formalisme qui l'importe, ce ne sont plus les valeurs qu'on t'apprend l'école qui prend, mais c'est plutôt un fond beaucoup plus, n'est-ce pas, irrationnel mais qui transmet à ou même de génération en génération que on pas remet en question. Et si on t'a parlé dans le terme de psychanalyse, on t'a parlé ça, le surmoi, le moi et le ça. Le surmoi, c'est ça, on a regardé là, belle veste, nous, Shelby, etc. Le moi, c'est lorsque m'la caille moi, m'pa gen caméra, m'pa gen moun dehors, k'ap gade jan, m'ap réagi, ki ka critique. C'est comme si m'ap dormi. Mais mon troisième bagay, mwen men image là, ça c'est le ça. Le ça, c'est lorsque non seulement le surmoi disparaît, le moi, disparaître tout, connaissez notre fond instinctif. Donc, nous toujours dit ça. Quelques Français nous parlent, quelques Anglais nous parlent, quelques Espagnols nous parlent. Chaque temps, Haïtien fâché sans créole. Oui, normal. Puis une fois, il a dit, ouais. Puis le papa, il dit, qu'est-ce, monsieur? Et regardez pour vous, si une femme a balé, ou bien même moi a balé, puis une jeune fille paraît, ou balé pied, il fâché, on va pas pêcher le bap. Mais c'est vrai, parce que même qu'elle est chrétienne, qu'elle n'est pas chrétienne, comme ça. Bon. Et docteur, je pense que. Faut que nous allions, mais rapidement, parce que moi, je suis professeur là. Oui, bon, oui, la déformation, déformation professionnelle. On est téléspectateurs après, mais ça. Rapidement, je connais où tu es dans l'église, je ne vais pas l'église encore. Non, à cause de l'église en sortie. Oui, mais ça passe rapidement dans l'église. Conviction, c'est-à-dire, je soutenais une thèse de doctorat en 2003, et donc son travail scientifique, etc. Et je n'ai pas toujours en mesure de distinguer entre l'universitaire et le pasteur dit. Mais ça fait ça d'après vous? Bon, c'est un manque de formation, mais c'est normal. C'est que l'universitaire pas nécessairement gagné même langage et n'il pas traduit croyance li dans les mêmes termes que monsieur et madame tout le monde. Et puis à un moment donné, ça te commence à créer, on t'y chérit, pète l'église, toujours à répondre entre vous, tes bails, ou bien dans texte côté écrit, etc. Si bien que nous songeons là dans le magazine 7 jours, qui est un magazine très lu, etc. Il était venu dans le bureau de l'église. Là pour me faire une entrevue, pour m'expliquer pour quelle raison qu'on docteur, écrit thèse sur vos dos, puis expliquer. Mon cher, puis exactement ça m'a fait là, m'expliquer qui ça vaudouille, côté le sautier, etc. Eh bien, le titre a été « Un pasteur au vaudou à Montréal okay. ». Et ça a commencé à créer problème l'église. Et puis à un moment donné, la paix est important. Okay. Donc, vous faites choix, vous me faites choix, oui, bien sûr, que me retirer de la pratique pastorale à temps plein, même continuer à prêcher. D'ailleurs, j'ai une émission de radio qui très écoutée le dimanche matin. Prêcher sur invitation dans des églises. Mais ça veut dire toujours pasteur. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que vous faites connaître tous les problèmes dans la communauté, non, tout l'autre pasteur. Comment ça est? Oui, mais on connaît toute communauté toujours des problèmes. Et songez que une série de missions qu'on gagne, une série de avenues qu'on prend, une série de tâches qu'on accomplit, il est normal qu'on n'ait pas compris.
Hein? Ok, mais conseil de mots. Pourquoi nous connaître? Me penser que le travail se fait mieux parce que le tes affects sauti. Oui, la plupart des pasteurs t'es fâché avec moi. Mais pour que ça, c'est parce que c'est niveau intellectuel qui manque pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. C'est au même pied. Je ne pas t'as dit comme ça. Je préfère dire que l'heure où t'es formé pendant, on nous dit pratiquement 300 ans, 500 ans même, dans Capano, puisque nous arrivons en Amérique au 16e siècle, nous sommes au 21e siècle maintenant, donc ça fait 500 ans. Là, ça fait 500 ans, vous avez montré un bagage, même genre, à savoir vaudou avec christianisme opposé. Parce que qui sont remarqués, Haïtiens rentrent dans le protestant par peur. Oui, mais il est glatif bon rythme là. Absolument, c'est ça. Je dis, pour ça dire, c'est tellement vrai. Moi-même, papa là, captain de là, grand-papa me convertit papa, grand-papa me dit, go, diable. Il convertit papa, on grandit, convertit, sous bébé, tu dois sauver, c'est pas converti là pour mourir. C'est ça. Ça veut dire, il convertit juste jusqu'à mettre toujours chrétien. Mais gardez pour, oui, mais gardez pour, ou bien raison, mais gardez pour, même, j'ai présenté grand-papa, on dit, c'était diable. Oui, non, le même doute, diable, juste pour comprendre. Oui, non, même comprendre. Non, non, oui, je sais, mais. Oui, je sais, mais c'est langage là, c'est comme ça qu'on dit. Oh, diable, c'est Satan. Donc, si on monde qui yon serviteur vaudou est nous présente le comme diable, donc ce n'est pas étonnant que nous opposer vaudou avec christianisme. Mais est-ce que depuis on monde pas dans Jésus, c'est dans vaudou lié? Non. Et puis, qui ça, faut nous comprendre tout, qui ça signifie pas dans Jésus? Mais bon, je ne dis pas dans Jésus comme si on est un pratiquant, comme moi-même, à l'église. Comme si je suis une foi, je suis une foi chrétienne. C'est ça. Je suis le même de battre l'église, Bon, de toute façon. Et pour ne pas obliger à l'église pour chrétien, le Christ, ça le devine prêcher, l'amour du prochain. Même qu'on est. Qui ça le devine prêcher la solidarité. Abandonner l'assemblée. Mais assemblée. Non. Mais son bon petit débat. Mais assemblée. Oui. Assemblée, est-ce que c'est lorsque nous entrons dans quatre murs ou bien assemblée, c'est tout simplement la communion des croyants. Moi, même avec vous là, après émission, non, c'est au contraire, on a fait pédagogie pour les téléspectateurs. Après émission, non, pas de problème, nous pas de problème par rapport à ça. Bon, c'est même son plaisir. Mais de toute façon, même parce que, comme m'a dit téléspectateur là, on a compris le débat, on est supposé finir longtemps, mais. Bon, pasteur là, docteur là, même je me dis l'altérélim, il m'a profité ça pour me dire l'altérélim dit Boss Benz, félicitations. Bon, regardez un monde comme ça qui relim pour la dire félicitations Boss Benz, c'est fanatique et ou même qui la carou des fois regarde soit en cachette ou vous chita en bas cabane ou veille pour garder ou pas c'est sûr qu'on regarde un monde qui est au niveau comme ça, il félicite travail là ou même n'attend nous. Donc pasteur, moi même pas connu ça me dit encore, je suis chaud pour lier. Ah ben c'est fait plaisir. On pas gagne temps encore mais ou gagne temps pour venir parler. Même temps l'autre monde venir en face parce que pour me veiller ça m'a dit parce que non, le but ce n'est pas de montrer une guérison d'abord son thèse de doctorat donc son travail scientifique qui est reconnu par un jury et ça qui est intéressant c'est que le livre l'a fait sortir en 2007. Te gen pile moun ki pa d'accord mais pas jam gon moun ki prouve que m gen tort. Moun nan ka prouve. Ils ont essayé déjà. Oui, mais oui, ils avaient fait venir au SNER février d'Haïti, mais bof. Hein, c'est... Ah, mais non, non. Écoutez, mais ça passe. Mais que... en nous clair, m'pas qu'à prouver à téléspectateurs qu'on parle en black. Oui. On n'a pas d'argument contre la vérité. C'est-à-dire, m'kada mon cher, m'parais mes boss ben. Oui, mon pas capable. C'est pas mon cas, non, m'parais mes boss ben. M'kada mon cher, m'parais mes costumes rouges là, mais m'pas qu'à contester le fait que boss ben est élégant. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça veut dire, on va réaliser que dans tout ce débat qui t'est suscité à la suite de ma thèse de doctorat, des gens qui attaquent me sous vie privée, mais ils peuvent pas dire que ça m'écrit là, au mauvais. Une question, on a campé là. Eh bien, on est obligé. Oui, on a pas pour retourner. Est-ce que vous prêt là si on a regardé choix quel de au pasteur ou le docteur, il dit me lever dans face ou là boss bien sûr, ça prêt. Ou pas peur ça. Ça va se faire plaisir. Ça va me faire plaisir puis nous pas qu'à guider par peur. du choc des idées, la lumière jaillira et on va réaliser que l'homme on apprend à prendre tel verset etc. Bof, hein, c'est n'anticipons rien, d'accord? Mais ça te fait un plaisir, boss. Okay, merci beaucoup, pasteur. Eh bien, merci à vous-même. Hein. Hey, bonjour tout le monde, ici Jean-Pascal, ancien champion du monde et bientôt deux fois champion du monde et présentement vous regardez The Boss Man Show. Chers téléspectateurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, j'ai avec moi un artiste, son nom c'est bien Georgie Innocent
qui t'aime la caillou. Artiste, comment ça va? Salut Bossman, je salue tout le staff de cette émission et aussi je salue les téléspectateurs à Montréal et un peu partout qui écoutent ces shows. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. T'es fan aussi, ouais. Salut tout le monde. Ok, mais je sais que t'es là aujourd'hui, c'est pour un concert. Exact. Et parle-moi un peu de ce concert-là. Le concert, ça va être le 22 février 2015 à 18h au Ciné-Théâtre Le Château. C'est au 6956 rue Saint-Denis. On va avoir Peter Mésidor avec nous, on va avoir Noémie Lorzema, on va avoir Marlène Juste comme artiste invité. Le prix du spectacle, c'est 20$. L'album est inclus, l'album qui t'aime la caillou, comme vous avez annoncé tantôt. Et en plus, à la porte, ça va être 30$. Donc, ce serait important d'acheter vos billets avant, parce que sinon, la journée du 22 février, vous allez payer 30$. Je crois que personne ne voudrait payer 30$. Donc, dépêchez-vous pour procurer votre billet. Parle-nous un peu de ton histoire, comment tu as commencé et tout et tout. Ton ministère, et c'est ministère Georgie. Le ministère, c'est après. Quand je veux dire, auparavant, j'avais un talent que Marcelle Sidali m'a aidé. Qui? Marcelle Sidali, c'est mon prof, on va dire, prof de chant. Je chantais à l'église en 2004, j'étais encore en Haïti. Puis elle m'a offert son aide, puis j'ai accepté. On a travaillé ensemble pendant quasiment 3 ans. Puis, mais malgré, après un an, elle m'a dit que tu peux aller seul, tu peux travailler seul, mais on va quand même travailler en équipe. Puis là, j'ai commencé à chanter dans plusieurs chorales, groupes. J'ai même été au Palais National d'Haïti. J'ai reçu une invitation avec Pastor Chavanjen qui m'a invité. C'est à quelle année ça? Ça, c'était en 2009. Pastor Chavanjen m'a invité en Haïti, au Palais, exactement. On a fait un concert là-bas. Puis je suis venu ici en 2010. Après ça, j'ai reçu l'appel pour faire... Avant ou après le tremblement de terre? Après le tremblement de terre, juillet. Ou Jésus sauveau, hein? Ouais, j'ai... ouais. Donc... En 2011, j'ai reçu l'appel pour faire le ministère. Donc avant, je chantais à l'église parce que je suis chrétien, j'ai été baptisé, j'étais à l'église, je chantais, mais je n'avais pas nécessairement l'appel pour faire le ministère. Okay. Donc en 2011, j'ai reçu l'appel pour faire le ministère et Maestro Anistral Pierre, il m'a aidé à concrétiser ce rêve en faisant cet album avec moi. Okay. Est-ce que tu as un dernier message pour terminer? Pour terminer, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à toutes les personnes qui regardent ce show, je vous attends au concert le 22 février et de ne pas négliger aussi de supporter ce qu'on fait dans la communauté haïtienne. Par exemple, Bossman Show, il faut supporter tout ce qu'on fait parce que c'est notre culture après tout. Donc, en plus, respecter les uns les autres, l'amour fraternel, c'est important. Puis, négligez pas les études, c'est primordial. Merci, George. Merci beaucoup, Bossman, c'était un plaisir. Salutations à tout le monde qui remet l'émission ça, à tout étranger qui remet l'émission ça. Forme nous, présentement, Boss Benz est rendu professeur, prof de cours de créole. C'est quand même le monde qui remet, on va un petit coup créole ça en a bail. On a eu plusieurs petits bagailles. Je veux dire, nous allons ensemble en créole, comme on dit, je t'aime beaucoup, chérie. Ok? Si toi, tu sors avec un haïtien ou tu as un ami haïtien, haïtienne, ok? Au Cap Dil, je t'aime beaucoup. C'est moi remè ou en pile. Moi remè ou en pile. Je t'aime beaucoup. Aimer, c'est remè. Moi, c'est moi. Moi remè ou en pile. Regarde la personne à côté de toi, l'haïtien qui est à côté de toi, ben, je ne sais pas, au travail, n'importe où, dis moi remè ou en pile. Pas oublier, notre travail là, au paradis, je t'aime beaucoup. Moi, aimer ou. Moi remè ou en pile. Donc, merci beaucoup d'être que ou même ou remèm en pile. Tu peux dire Boss Benz, moi remèm ou en pile. Moi remèm Boss Benz show en pile. C'est tout ça, je veux dire, nous te pote pour vous dans ce parti coup créole. Là, pas oublié, l'orivo qui a dit ou remèm télévision ça ici. C'est moi remèm ici. En pile. Comme vous connaissez ici, c'est International Canal ou Canal International. Pas oublier chaque jour, là où je me concerne l'émission, son seul monde qui a habillé, je me les carrières. Et je me dis merci avec chaque monde qui toujours aime regarder les choses. Parce que le pasteur Junior t'a dit, mon cher, je suis un mime, il a toujours regardé comment Bosman a habillé. En tout cas, celle qui a voté tête dit ça, c'est parce que le bagage bouche. Si le bagage bouche, il t'a dit ça.
Salutations à tout le monde qui aime l'émission ça, mon Miami yo mes amis. Vous connaissez Miami là, il fait chaud. Mais nous même dans Québec le matin là, me viens là mes amis, je vais me dire m'a tourné dans pays parce que Junior dit mon chèl pas fait fret non. Donc nous saluons tout le monde ça yo qui aime l'émission ça à Miami, tout le monde ça yo qui aime garder nous. Et m'a dit mes amis, suspend les coordonnateurs émission Wally. Pour n'a dit ah m'ta aimer si c'est dans l'émission. Comment se relève tout dit bon moi même gon business là comment pour me faire pour m'aider chaud ça avancer. Il faut me dire on gagne un ami monsieur ou ka ouais et il dans l'émission monsieur c'est nouveau sponsor que nous gagnons et ça qui est important c'est Wisner monsieur te relève OK monsieur Tim Bosman si me connais Sim Edo on prend avec l'émission mais des communautés ça veut dire quoi ou même qui gon business aidez-nous soit achetons kain en main sinon mes Bosman ou acheter le cob la tourner venir joindre nous. Malheureusement, nous avons pile frère nous qui toujours après les a plein pour qui ça pose bien mettre costume jaune ça azulé. Mon papa j'aime dit comment me ca aider choses à avancer. En tout cas, comme vous connaissez déjà Boss Benz remet nous en pile, moi remet nous en pile et nous toutes nous c'est haïtien. Nous allons vite qu'on y aller suivre Culture 509 avec Sacha. Restez branché, n'a pas tourné. Bonjour tout le monde, comment ça va à la maison? Vous savez, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un moment très important. C'est un moment où on doit s'arrêter pour pouvoir prendre le temps d'apprendre à connaître nos racines, nos ancêtres. Mais également, le mois de l'histoire des Noirs, c'est également le mois de l'amour. 14 février, la Saint-Valentin, et nul autre que JP de Real Paper Production pour nous parler d'amour, justement parce qu'il y a un événement important le 14 février. JP, qui est-ce? Mon forme, ma salue Sacha, ma salue tout le monde qui a regardé le choix. Et je suis bien content de l'avoir aujourd'hui à son plaisir. Oui, parce qu'il faut vraiment le dire, le 14 février, tu as quelque chose pour nous tout chaud là en ce moment. Oui, en fait, le 14 février, on a gagné deuxième édition en soirée que nous avons commencé depuis l'année passée. Le so, 14 février, on a gagné deuxième édition hein, qui c'est Harmonic Connection. Et soirée, nous avons baptisé Illegal Dream. Oh! Parce que Harmonic, les musiques qui est illégal. Oui. Et puis, album connexion, il est Just a Dream. Donc, leur fait combinaison, il est bon, Illegal Dream. Donc, so, on a bien Harmonic, tout le monde connaît qui a un paquet de hits comme Obsédé, Modern Enough, Illegal, Naturel. JP, tu même pas l'air d'un promoteur ou semble un chanteur. Est-ce que tu as fait un petit bail pour là? Prochaine fois, je vais là, ma belle. Oui. Oh, oui. Je dis à Mbini sous titre promoteur, ça n'a pas de promotion. Tout le bail est un acteur, tout. Ils sont modèles. C'est vrai, tout le bail. En fait, c'est ça. Harmonic, c'est. Bon, tout le monde connaît, c'est un jeune jazz mais qui a un pile hit comme Sodzo. Et son un jeune jazz. Donc, il y a connexion tout qui c'est un autre jeune jazz, il y a Montréal, un pile talent, il y a très talentueux. Puis, nous avons une production tout qui sont jeunes productions. Donc, so, là, pour tout le bagage jeune, ça va mettre ensemble. Pile bagage. Il y a une bonne fête jeunesse. Et c'est ça que nous allons faire le 14 février. Et, alors, comment nous pas aller? Gamoun yo kavini. Oui, yo kavini. Non, mais abgen gamoun, ma pem gamoun 60 ans dan. Oui. Mais idée a, ta koum ta zo, parce que gen jeune qui pa vle sorti, qui trouve que comme si, et gonsey de jazz le ou vini, yo pa retrouve ou la donne. C'est vrai. So nous même, comme production jeune, nous pensons avec yo. Oui. Roman nous passons avec eux, par exemple, et pour petits jeunes garçons qui comme si pas tellement travail, qui pas tellement gen kob, nous pensons avec eux, nous aider, nous allons expliquer comment on fait ça. Et par exemple, si nous avons seulement passé bien au 40 dollars, oui. Si nous avons seulement 40 dollars, les ont déjà mélangé, par contre, si vous l'achetez fleurs, si vous l'achetez 4 ans pour le mener, madame, nous pensons à un exemple, nous disons, OK, juste acheter bien et puis production responsable pour le bon fleur. Belle bye. Est-ce non. Que nous tendez, monsieur? Est-ce non. Que nous tendez? Oui, monsieur, achetez bien, nous. Achetez bien. Nous avons mis tête nos problèmes pour rien. Achetez bien, nous. Et puis, vini, n'a pas responsable pour une bonne fleur. Wow. Et puis, m'encourager mon tout achetez bien parce que. Et il n'y a pas de tirage que nous allons faire. Ça veut dire que y a des gens qui doivent acheter bien. Et puis, si vous avez une chance, vous avez un jour 14 février, ça. Son limousine qui vient chercher yo. À la même que dans Montréal là, son limousine qui vient chercher yo, qui va le déposer. Wow. So encouragez mon yo, achetez billet parce que au bas j'aime connons car il doit c'est au sorti gagnant. Oui. Et nous pensons avec notre bagage tout, c'est que nous cas, bon et pas nos cas, c'est chaud que la donne. Et on week-end dans chalet. Que... Monsieur, nous nous faisons tout parce que bah, monsieur, bah, monsieur, bah, monsieur, ça nous fait. Parce que nous sommes jeunes production, nous voulons faire bah, yo, non, sens que, qui pas déjà fait des. Ou l'autre sens. On l'autre bagaille. Nous sommes jeunes, on a pensé très jeune, d'accord. Et puis,
au mois de février, c'est l'histoire des Noirs. Oui. 14 février, c'est Saint-Valentin. So, nous avons toutes les raisons pour nous faire un bagage qui n'est pas jamais qu'on fait déjà. Mm-hmm. Et c'est idée à ça, production, tant qu'on connaît déjà, son production Flandre, son production jeune. So, ça, fait bagaille, ça. On a fait un bagage de façon nous. So, c'est ça. Et 14 février. Et si vous avez aimé un billet, qu'est-ce que vous avez sur Facebook, là, c'est JP. Mm-hmm. Et il y a People Montréal, il y a J-Paper, il y a Nelly. Qu'est-ce que vous avez People, Sacha. Mais il faut pas là aujourd'hui parce que nous chacun côté. Aujourd'hui nous choisi Montréal puis pour Ottawa qu'on y a là et puis Sacha Québec. Wow. So nous chacun a pissé couvri. Oui. Tout territoire net pour nous bailler un bagage. Nous va chercher tout le monde qui est capable parce que ça quoi le fait là son bagage qui veut une fois par année. Et on parce que ici c'est pas comme si Mdazo et weekend sont rat ton bagage et puis l'autre weekend on Mdazo apprendre parce que jamais qu'elle en fait là pas facile comme ça. Ça veut dire que à chaque fois qu'on bagage comme ça qu'on peut le faire un bagage historique comme ça qu'on peut le faire ou juste profiter pour. Et qui côté fait ça prend le faire. C'est oh, bah tellement lui numéro alors mais c'est sous Saint-Denis, c'est à Télé. Ouais, c'est bah tellement son numéro oublié. Mais tout le monde connaît tout le monde connaît côté théâtre Télé. Alors un dernier mot avant de se quitter, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos téléspectateurs? Bah tellement gagner nous pour nous parce que nous tellement encourager depuis 4 ans sur des monde sont pas rien dernier bon pour eux. Mais seul ça m'a dit c'est que bien on commence vraiment à aller. La billet 35 qui finit longtemps, non seulement un billet $40 et marchez vite pour pas payer 50 ou bien 60 dans votre là. Alors merci beaucoup JP, écoutez, moi ça fait toujours un plaisir d'avoir JP avec moi. Je reçois des messages, oh JP va être ici au studio, t'es chanceuse. Alors j'avais JP aujourd'hui pour la chronique Culture 509 à ne pas rater cet événement le 14 février. Alors c'était Sacha, je vais pouvoir vous revoir la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Mesdames, messieurs, comment nous, ou même qui la kayo, pour nous t'apprendre partie ça, Isaac et les Meléléa, je dis, hein, nous gagnons fille, qui pas tant toute fille, qui dit moi-même, Léléa fait des ordres là, la ben mette l'ordre lui-même, Léléa est tac là. Tac là, comment ça va? Ça va très bien. Ou me content voir là. Moi même tout. Et puis mon yo là, ou gen fanatique là. Il est ça comme. Bon, nous poser, n'a fait travail nous. Moi vinn tout de blanc là, ça pas ça là. Bon, on est son mon hab moi on va. Bah oui. OK. Mesdames et messieurs, aujourd'hui un sujet à qui s'allier derrière chaque grand homme, il y a une femme. Rapidement, on apprend dans sujet rapide. Est-ce que d'accord derrière chaque grand homme, il y a une femme? Sans aucun doute. Pourquoi pas? C'est toujours ça. Toujours. Mais ça veut dire que vous, c'est sûr que vous-même, vous pensez que c'est au grand négoce. Bon, nous ne pouvons pas vous dire ça. Lili, est-ce qu'on a quoi à CGA? Jamais, mon cher. Jamais. Beaucoup de barrières, boss man. Comment chaque grand homme, grande femme, de chaque grande femme, de grand homme. Bah, ça va exister, mon cher. Moi, je dis, la preuve des grandes, où on est. Femme qui a tendance à reculer moun même des fois dans certaines situations. Ou bien des bails ou quoi réaliser, des bouquins femmes là-dedans, donc pas grand et cap marché. Oh, est-ce que de quoi ça veut dire? Non, pas du tout. Eh bien, vous dites que vous ne pas d'accord? Parfois, parfois c'est, ça doit arriver sans doute, mais pas dans tous les cas. C'est sûr que moi, je crois que chaque homme a vraiment besoin d'une femme. Comment me dire ça? Pour réussir dans porte, oui, derrière, qui pour là pour appuyer dans toutes circonstances. Mais vous pensez que comme si on n'est pas, on garde son bagage, on forme derrière, il n'est pas réussi, vous pensez ça? Pas dire ça, mais c'est sûr, il a manqué un bagage. Il a manqué un bagage. Ouais. Il est quoi, ça a manqué un bagage? Qui ça le relève? Qui ça le relève? Mais entendons-nous. Mais répondez ça. Entendons-nous, qui ça a manqué un bagage? Je suis un paquet de monde que je connais, un paquet de grandes dames que je connais qui réussit sans aucun homme qui est derrière. On n'a pas qu'être nég qui réussit tout sans pas une pièce femme de haut. D'abord on est grand, on est nous même nous moi à bord ben n'abgoumé là nous à moi. On a toujours besoin au monde bon côté on en veut oui. Pour partager peu importe comment on est capable de dire ça. Ça que on fait, ça que vous voulez entreprendre, ça que vous voulez réussir dans vie, faut que toujours grand monde qui l'a pour d'elle. Moi-même moi connais que nous si nous deux nous cap plus fort. Mais les parents nous donnent ça quoi là. Si nous deux nous cap plus fort, certain, oui. Mais par contre, l'histoire, m'entendez, de chaque grand nègre, qui a grand femme, non, même pas prendre bagage ça. Pour mon bagage, sous besoin réussi, je vais gagner. Je vais gagner. Tout ça que je vais gagner, non, je vais garder moi-même. Non, ça va garder, mon cher. Non, mon cher. Je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, un exemple.
Oui, on met parler. Oui. C'est juste en façon de parler. En façon de parler, c'est pas vrai. Non. Ah. Lui-même, les idées, comme si tout ça d'elle, c'est pas dans sens ça. C'est pas dans sens comme si mon nap toujours d'elle, mon nap. Pas nécessairement d'elle, mon nap beau côté. Comme c'est juste en façon de parler. C'est comme ça, on a soutenu. Mais on prend un exemple, quand Obama, il y a Michel d'elle, c'est ça. C'est notre style, ça, c'est ça. Attends. Obama Michel Obama de Michel ou bien Michel de Obama bon pas rentrer là dedans pas connait vraiment alors mais ça veut dire que ou même on passe moi Obama de Michel les gars en apparence que c'est Marie hein, qui paraît les devant et puis mais je suis d'accord avec moi il y a un grand homme des fois là grand fidèle et puis fiance juste là comme ça et puis là quand il a vu monde pas utile vraiment juste pour la forme exemple président suite Mickey avant le président il était fin président et puis là le marié avec Sophia juste pour le dire maintenant président mais avant il pas de jamais marié ou t'es comme ça ça veut dire est-ce qu'on pense que une femme ça était toujours derrière elle ou quel comme ça ou sinon pas la même mais c'est sûr sinon pour celle là mais parce que des filles qui là c'est comme yo là pas habitué là essayer même je l'ai dit il y a pris culot pour faut avancer. Mais ça dépend, c'est comme Wendo, ça dépend. Ok. Mais c'est sûr que. Mais par principe, de chaque grand homme, de pour pas une femme, de ou pas grand, c'est ça, vous voulez dire? Même. Hein? Oui. Oui. Elle est là, on va d'accord ça. Non, avec elle, mon cher. Quand vous voyez. Arrête. Regarde. Combien de fois qu'on a une grande femme de moi-même? On ne peut pas dire. Un grand homme, mon cher. Mais c'est ça. Ça fait mon grand homme. C'est ça, ça fait ça. Non, mais qui sont besoin pour grand homme? Qui élément, qui nombre d'éléments qu'on besoin pour grand homme? Pour grand homme, comment il est? Voilà, dis-moi. Pour tout bagaille. Grand homme, qui ça? Pour grand tout bagaille. Oui. Vous voulez mes numéros vous? Non, ça, je ne sais pas. Ok. D'ailleurs, numéro vous? Non, c'est ça, parce qu'on est tous les. Je pense que je suis allé ici dans la ville. Je pense que je suis allé à l'hôtel de la Faïti, il y a un gros Kali ici, il y a un BM là pour les. Vous comprenez? On est comme ça, on ne peut pas aller. Parce que je me dis ça, imaginez, je fais la première émission en 2011. Je dis que je vais faire une émission si on chèque $3,000. Moi, je me dis, ah, ici, je ne passe pas dans la ville, laisse-moi battre au close avec les. On chèque $3,000. Et je me dis, ah, quand je vais aller, je chèque à changer, il y a un ratio qui était fait dans le chiffre, je dis, il faut que je mette l'initial. Je me dis, ah, ici, là, c'est sérieux. On a pris les dit, mon chèque, il prend un chèque là, il va me changer. Les gens ne comprennent pas de j'aime quoi. Bagay pasteur ici, pas faire moi. Bref, ça veut dire, on est comme ça. Elle dit, les gens, on est qui, je me dis, réussir dans la ville. Si on est qui, par exemple, pour $20,000, bah, même pas j'aime les gens en forme d'elle. Mais réussir n'a pas nécessairement. L'argent. C'est le grand homme, non. On a dit grand homme, non, ça veut dire pas seulement l'argent. Et si les gens qui ont l'argent, ils sortent, ils ont l'argent, ils ne parlent pas avec. Pas nécessairement. Les gens ne doivent pas sortir, mais ils ont l'autre bagage qui manque. Ça manque. Sexe, pas. Petit, sexe, ça veut dire que ou heureux, ça veut dire que. Ah, monsieur, il n'a pas heureux. C'est heureux, on manque. C'est heureux. Voilà, je suis tellement heureux. Le plus seul. Monsieur, il n'a pas marché ma brûlée. Non, monsieur, il n'a pas marché tout côté de moi, oui. Oui. Oh, je tellement heureux, je marche côté de moi. Bon, même non, dormi ma brûlée, je dis. Ça veut dire que vous-même, vous ne pas. Ok. Même non, dormi ma brûlée. Pour nous finir, les vous-même, qui soit dit, mon cap marché, dit, chaque grand homme, il y a une femme. Mon cher, merci beaucoup. M'a dit, mon ça yo. C'est tout le monde qui dit qu'on descend des losers, pour moi, pour quelle raison? Oui, si vous ne prenez pas chemin, vous ne pas lever bonnet pour faire ça, vous pour faire, ou après d'attendre une grande femme qui vient de là, et mon deuxième, tu vous prenez un cas junior. Si junior, je suis dans le bon, c'est pas une grande femme qui vient de faire une junior. Junior deuxième, fort pour lever bonnet. Ça va bien dire que vous avez après une femme, okay. Ou besoin d'une femme, Bokoto. Ok. En tout cas, c'est ça veut dire que dès chaque grand homme pour vous-même. Vous avez besoin d'une femme forte. Ok. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs. Absolument. Ok, je me suis dit que avec moi et puis je me suis dit que je suis avec bon. C'est ce qu'on dit, dès chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je ne suis pas contre mon cap dit là, mais pas oublier, pas généraliser car. Vous comprenez? Moi-même, je me suis dit que je suis et moi. En tout cas, ça veut dire que je ne suis pas contre, je ne dois pas qu'au grand homme. Vous comprenez? Je me suis dit que je ne suis pas rien. Ok? Ça veut dire que c'est vrai, ça existe, mais il y a un peu de monde qui souffre. Comme il réussit, il est obligé de mettre un fidèle là comme un poupée toile. En tout cas, mesdames et messieurs, restez branchés, n'a pas tourné. Mesdames et messieurs, nous sommes contents aujourd'hui pour nous rentrer la caillou pour nous te présenter l'émission ça. Comme vous le savez, ce mois-ci là c'est mois février, moi ça c'est moi l'histoire des noirs. Et j'en ai dit dans le début de l'émission, are you proud to be black? M'ba même besoin de ça, proud, m'ba même besoin de moi fier ou ka wè ça sous visage moi. Pas oublier pendant tout mois ça, c'est moi histoire des noirs ou même qui c'est haïtien ou même qui remet parce que c'est black ou même qui pas changer couleur ou même qui pas douko j'allais les kondia ou fier de ce que c'est haïtien. Pas oublier,
yo toujours dit jou mou pa jam donné calbas. Ou c'est haïtien, même sous ta Michael Jackson pou, j'on marché, j'on parlé, y après ou c'est haïtien. Allez, bonne semaine.